la prolifération illicite des armes légères et de petit calibre. Lors de cette opération, on a trouvé un chargeur d'armes de type Kalachnikov avec 21 cartouches dans la province de Chibitoke. On a trouvé également 24 cartouches d'armes de type pistolet Tokarev dans la province de Kayanza. Deux grenades de type offensive ont été trouvées en province Bujumbura. Aucune personne n'a été appréhendée au chef de détention illégale d'armes. Les enquêtes pour retrouver les propriétaires de ces munitions trouvées sont actuellement en cours. Les crimes contre l'environnement. 11 filets utilisés dans la pêche illicite communément appelée filet maillon ont été saisis et immédiatement brûlés. 6 pirogues de pêche illicite ont été détruites. 2 pêcheurs utilisant les filets maillons ont été appréhendés et sont en train d'être interrogés devant la justice. 20 moustiquaires utilisés pour la pêche de petits poissons appelés communément omugara ont été saisis et détruits. Dans la province de Muyinga, une gazelle a été abattue dans le parc de la Rouvou. Les auteurs ont pris le large, mais les enquêtes sont en cours pour les rechercher et les traduire devant la justice. Le vol de véhicules. 520 véhicules ont été contrôlés. Selon la base de données, aucun véhicule ne s'est révélé comme ayant été volé. 5 véhicules dont les documents ne sont pas conformes au numéro de châssis ou de moteur ont été saisis. Après vérification à l'OBR, les propriétaires ont été invités à se rendre à l'OBR pour régularisation des documents de leur véhicule.